Vous êtes de retour avec nous pour Tech It Light Daily. Alors, cet épisode-ci va être consacré à un léger mining de ressources. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous allez être servis parce que j'ai trouvé une caverne qui était remplie assez intense de ressources. J'ai vu un peu de tout en fait et on va pouvoir récolter ça ensemble. Donc ça c'est ma caverne qui se rendait à la lave et j'ai trouvé un petit... j'ai suivi le son des squelettes et j'ai trouvé ceci. Donc je n'ai pas vraiment exploré. Alors je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai vu beaucoup d'or et j'ai vu une tonne de tin, d'aluminium et plein de trucs. Alors on devrait avoir ce qu'on a besoin. Par là, il y a des gems. Les gems, c'est utile pour faire des outils comme vous pouvez voir dans ma main présentement. Ils sont aussi efficaces que le métal, que le fer, mais sont plus durables. Ou plus rapides, en fait, si je me souviens bien. Donc, on a un creeper, un zombie. On va bloquer l'eau. Histoire de ne pas se faire piéger. Donc il y a beaucoup de monde. Ouais, creeper. Voilà. Pour ce qui est du coal, je pense pas le ramasser en caméra, en record, mais je vais peut-être revenir plus tard si j'en ai besoin pour faire le plein. J'ai beaucoup d'or, j'ai beaucoup de métal aussi, c'est une excellente chose. Et comme vous me connaissez, je mets toujours mes torches à droite lorsque j'explore afin de savoir d'où je viens et pas me perdre. Donc on a des émeraudes ici, de l'eau en haut. L'idéal serait du diamant ou je pensais pas dire ça, mais du redstone. Oh, d'ailleurs, je viens d'en voir en bas ici. Donc, on va pouvoir se diriger dans cette direction. Excellent. Ça se peut que cet épisode-ci soit un petit peu plus long pour les besoins de la cause. Histoire que. Je vais essayer un creeper. Histoire que vous ne manquiez rien. Je savais qu'il y avait un creeper de l'autre côté. J'avais entendu des bruits de pas. C'est utile parfois avoir de bons écouteurs. Et une oreille fine. En parlant de creeper, entre les deux épisodes, en fait, avant celui-ci, j'ai joué un petit peu hors ligne pour faire des trucs plus ennuyants un peu pour la caméra, comme faire du farming pour ramasser un peu de nourriture, etc. Puis j'ai un creeper qui est venu m'exploser la moitié d'un de mes coffres en haut. Le coffre avec l'armure de... les pantalons d'armure que j'avais en extra. Je me souviens pas ce qu'il y avait dedans que j'ai perdu, mais j'ai perdu quelques trucs. Heureusement, c'était pas le chest de... Est-ce que c'est un diamant, ça? Nope! Nope, pas de diamant. Un peu d'or, ça va être parfait. Du redstone. Du fer. Donc, je ferai pas tous mes... Lorsque je vais aller miner, je ferai pas toujours des vidéos, mais étant donné que c'est le premier, donc je voulais le mettre
sur caméra afin d'avoir un peu de mining pour ceux que ça intéresse. Donc, présentement, il y a un squelette pas très loin. Et j'ai une tonne de redstone, je vais le prendre, c'est magnifique. Uranium, d'autres... Oh, du lapis, ça c'est bien aussi. Encore du fer, du marbre. Donc ça semble être une caverne assez gigantesque. Gigantesque, oui, bien sûr, bien dit, bien dit. Alors, on va en avoir pour notre argent. Magnifique. Lapis. Qui est utile pour bien des choses dans Industrial Craft, comme des circuits avancés, des trucs comme ça. Pour faire des lampes bleues, si on veut faire des, si on veut mettre des lampes colorées ou d'autres utilités quelconques. J'aime le fait que Tekkit donne beaucoup d'utilité au truc qu'il n'y en avait pas avant, comme le redstone. Moi, j'étais pas un grand fan, j'utilisais jamais ça, donc lorsque j'en voyais, je l'ai laissé là. Mais maintenant, dans Tekkit, quand j'en vois, je saute dessus. Pourquoi il y a des escaliers ici? Je pense qu'il y avait du métal tantôt aussi. Métal, fer, je dis toujours métal, mais bon, c'est du fer. Là, encore un peu. Donc je me suis bien équipé en pic et en épée et en nourriture et en torche pour être sûr de ne rien manquer. Du nicolite, je sais pas pourquoi je le ramasse. Pour l'XP, j'imagine. Donc il semble avoir un squelette qui est dans mes parages. Oui, effectivement. T'es mort. À la prochaine. Ça. Excellent. Donc ça, c'est du quoi, ça? Oh! LED, c'est... C'est pas acier. Donc j'ai d'autres laves en bas ici. J'ai de l'or. Souvenez-vous qu'avec la pierre qui remplace la pierre du philosophe, on peut convertir 4 or en diamant. Donc ça va être utile. Donc encore une tonne d'XP, du métal à n'en plus finir. Mais bien évidemment, on en a pas trop. Encore de ça. Ok. Oups, on va le ramasser par contre. C'est du tin, si je me trompe pas. Silver, oh. Ok. LED, j'ai aucune idée à quoi ça sert. Mais le silver, c'est utile pour faire entre autres des câbles. Donne-moi un diamant. Des câbles de fibre optique. Diamant! Oui! Nice! En espérant qu'il y en ait plus qu'un dans ce spot. Un autre diamant là, magnifique. La seule chose qu'on va espérer maintenant, c'est de ne pas tomber dans la lave et tout perdre. Toujours surveiller ses arrières. Oh, j'en ai deux. Donc j'ai au moins 3 diamants, parce que c'est sûr qu'il va en avoir un. Entre les deux derrière. Non, j'ai rien dit. Donc 4. Magnifique. Quelle merveille. Diamonds! On peut faire une petite périphérie en or. Au cas où il y en aurait quelques-uns de cachés, mais ça ne semble pas être le cas. Donc ici, il n'y a plus rien.
Je vais juste cacher ça ici pour pas que une mauvaise nouvelle nous achève. Juste au cas où. Donc ici. J'ai entendu un zombie pas très loin. Ce que je vais faire. Oh. On parle de mauvaise nouvelle, les voici. Oh, dans la lave. Donc il vient d'en haut là. Je vais aller jeter un œil ici, bien éclairer le tout. Pourtant ça semble y a un creeper là-bas. Excellent. Je vais prendre un peu de bouffe. Baked potatoes. Wow, il a réussi à sortir de la lave, de l'eau. C'est un zombie ninja. Donc, encore un peu de métal, de fer. Voilà. Ça, je le ramasserai pas pour l'instant. Bonjour, creeper. Allez, monte. Oh boy. C'est un coriace. Plus j'explore, plus je me dis que je vais, je vais avoir la misère à retrouver mon chemin. Pourquoi il y a du cobble là? Ah, je pense que je suis revenu au début, je crois. Je pense que j'ai fait le loop. Non? Oui? Peut-être. Étrange. Pourquoi il y a des torches ici? Donc je suis arrivé de par là. Ok, on portera pas attention à ça. Je suis sûrement passé tantôt puis je m'en rappelle pas. Ok, ça c'est d'où j'arrive. Il y a une tonne de mobs. Ah, c'est mon entrée! Wow. Avec tout ça, ce qui est drôle, c'est que je me souviens plus où était le diamant tantôt. Manqué, connard! Oh, shit. Éclairer le tout avant de se faire jouer un sale tour. J'ai d'autres quartz en haut ici. Je sais pas quoi il sert le quartz. Mais je vais quand même le ramasser pour être sûr de ne pas me le regretter plus tard. Ça. Bon, c'est bien éclairé. On peut maintenant. Juste si j'ai pas de confiance. Oh. Ok, on va juste mettre une torche pour pas qu'il y ait rien qui spawn ici. Bien évidemment. Donc maintenant, on passe à l'étape de ramasser tout ça. Et ensuite, je pense que je vais aller retrouver le diamant et remonter à la surface pour mettre tout ça en sécurité avant qu'une niaiserie me coûte cher. Ça, c'est du tin, ça, non? Silver. Est-ce que j'ai du tin? J'ai aucun tin.
Ça? J'entends un squelette ou quelque chose. Zombie. Donc, si je me trompe pas, j'ai aucun tin dans mon inventaire. Gold iron. Silver. Non, effectivement, c'est le cas. Étrange. Peut-être que je suis trop bas pour le tin. Est-ce que c'est ça? Nope. Peut-être le tin se trouve moins bas en surface, plus en moins en profondeur en fait, je veux dire. Ah non. Non, 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 ben non. Bordel. Donc on a une mine souterraine à exploiter éventuellement dans un épisode futur. Donc comme j'avais dit, celui-ci va durer un peu plus longtemps parce que c'est mon premier épisode de mining. Mais je risque de faire peut-être un épisode de mining sur quatre expéditions pour pas wow. Pour pas que les gens se lassent. Parce que du mining, c'est bien le fun, mais c'est pas toujours divertissant à regarder. Donc je pense que je suis de retour sur le bon chemin pour trouver mon diamant tout à l'heure. Bingo. Oh, bonjour squelette. Wow. Ça fait du bien ça. Quel beau gâchis. Magnifique. Mais magnifique. J'ai dit la piste là-bas. Donc je sais pas où est rendu le Enderman qui était en furie. Le voici. Il est complètement fâché. Pourtant, je l'ai pas regardé. Je comprends pas ce qu'il lui prend. Mais bon. Manqué. Pas aujourd'hui. J'en ai pas envie. Donc, comme je disais, on va espérer retrouver le diamant bientôt pour faire de la place et remonter à la surface dès que possible. Ça devrait être quelque part en bas ici. Donc, du redstone. Diamant là-bas. Donc, on va y aller par la voie safe. Même si c'est aucunement plus safe. Ben, c'est plus safe, mais c'est pas safe du tout. Tout de même ramasser les rubis pour faire des items, des outils, c'est magnifique. Des pics, des épées, etc. Le diamant était en bas ici. Un bucket d'eau aurait été si magnifique.
Ou juste trouver une source comme ça. On peut faire amplement l'affaire aussi. On va juste la contenir pour l'instant. Et voilà, ça risque d'aider un petit peu. Quartz, quartz, métal, coal. Un seul. Je vais quand même prendre le redstone. J'aime pas entendre des squelettes. Surtout quand je sais pas son où. Ah, la voici. Fallait juste en parler. Oh, diamant! Wow. Fer, diamant. Fer, fer, lapis, lapis. Magnifique, quelle récolte. Quelle récolte. Prendre un petit peu d'expérience tant qu'à être ici. Faire le plein. J'ai plus de place. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Ramasser le nicolite quand même au cas où. Donc on va retourner ici où il y avait une tonne de redstone. Et ça va être maintenant opération retour à la maison. Juste voir si je peux me faire un personal safe. Ok, pas pour tout de suite. Ben, je peux en faire, mais ça ne sera pas dans les priorités. Donc, à droite. Pourquoi c'est à droite la torche? J'arrive pas d'en bas ici, je suis persuadé. Je vais ramasser la petite. Le lore ici. Je pense que c'était d'en haut ici, si je me trompe pas. Droite. Droite, 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 gauche. Et bien sûr, la sortie c'est par là. Et il y a plein de creepers. Il y en avait un juste. Il était deux tantôt, puis il est rendu tout seul. Là. Donc je ne sais pas où il est rendu. On dirait que je pense qu'il faisait le tour pour essayer de m'attraper de derrière. Et voilà, débarrassé. Et bien sûr, on va ramasser les ressources. Oh, bonjour. Cancel les ressources. Je sacre mon camp d'ici. Il faut que je cherche des torches à gauche. C'est par ici. Donc j'ai du lapis, on va le ramasser tant qu'il est là. C'est toujours utile pour des trucs plus avancés. Où suis-je? Ah oui, je suis de retour à la salle presque de départ. Je pense qu'il y en a un qui a pas de plaisir dans l'eau présentement. J'ai un zombie qui me suit parce que je l'ai entendu tomber. Et voilà, de l'uranium en passant. Métal, quartz, est-ce que j'ai encore de l'espace dans mon inventaire? Je vais en faire. Fuck les flèches. Et voilà, du métal à ne plus savoir quoi en faire. Et ça, c'est du tin, je crois. Tin ore. On va ramasser un peu parce que c'est pratique. Surtout pour les machines de base comme les macérateurs, les trucs comme ça, les générateurs, les batteries, les. Tout ce qui est de base, c'est pratique. Il va falloir que je me trouve aussi
éventuellement du caoutchouc parce que j'ai perdu mon seul rubber tree que j'avais. Si on se souvient bien, je crois, au deuxième épisode, premier épisode. Mais bon, il y en a en bonne quantité. Je n'aurais pas trop de problèmes à en trouver. Alors, je rapporte tout ça à la maison et on se retrouve au prochain épisode qui sera à la surface, bien évidemment. Alors, je vous invite à faire un petit like ou partager la vidéo si vous avez aimé. Puis, bien sûr, pour ne pas manquer la suite, je vous invite à prendre le bon chemin qui n'est pas ici. Et vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite de mes séries offertes. Alors, comme à l'habitude, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve au prochain épisode. Ciao!